Salut, nouvelle semaine à lundi. Je vais commencer ce vlog. Je vous avais dit que j'avais envie prochainement de changer la couleur de mes cheveux. Je sais pas, je trouvais que ça, le blond là en ce moment, ça me faisait un petit peu fadasse. Et je vais pas le faire tout de suite non plus. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est fermé. Mais voilà, je m'étais dit, comme j'ai la perruque, je vais vous montrer, parce que je crois que je vous avais montré vite fait sur Insta. Mais comme ça, vous allez vraiment voir. Ça, c'est la perruque que j'ai, donc qui est plus foncée. Ça tire sur le auburn. Forcément, ce sera pas cette couleur-là, mais ça sera un petit peu comme ça. Ce que j'ai envie de faire. La longueur, évidemment, bah, j'aurai une longueur beaucoup plus longue parce que je vais garder la mienne. Voire peut-être, vous voyez. Et on va regarder. Avant, après. Par contre, je vais peut-être enlever mes lunettes. Ce sera plus simple parce que col roulé, lunettes, franges, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et au fait, j'ai mis mon nouveau rouge à lèvres. Je l'aime beaucoup. Du coup, ça fait encore plus blanc. J'ai fait ça parce que alors sinon, tu vois, ça fait trop foncé. Hein. C'est pas une réussite, en fait. Je crois que je vais rester blonde. Non? Ouais, je pense. Je vais juste travailler mon blond. Est-ce qu'on a zoomé un peu trop? Je pense. Comme ceci, c'est mieux. Bon, il doit être 10h, un truc comme ça. Eric est au lycée. Il avait cours ce matin, cet après-midi. On va aller à Jardiland. Il n'y a plus de la super litière. Parce que celle que j'en ai une pour dépanner. Ça sent le pipi de chat au bout de 2 jours. C'est pas normal. Alors que l'autre, bah nickel. Et en même temps, on va prendre des petites croquettes. Pour la sortie du jour, ça sera tout. Vu qu'au niveau bouffe, on a ce qu'il faut. Et moi, je vais m'avancer cet après-midi et ce matin sur tout ce que je vous disais, les petits projets. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on dit? On dit bonjour, Jackie. Bonjour. Et pendant que je suis là, je vous montre. La miniature, je l'ai mise ici. Très sympa. Et l'autre. Voilà, juste à côté de Monsieur Ours. Et ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai mis de côté pour une future petite création boîte de conserve qui sera aux allures un peu plus pop girly. Je vais essayer de me tenter une petite vidéo sur Insta parce que depuis que j'ai fait les DIY, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de refaire celui Chanel. Et pas sur YouTube quoi, le format, enfin c'est beaucoup trop rapide. Donc je vais le faire, je vais tenter de le faire sur Insta. Vous voyez, c'était avec ce magnifique vase que j'avais eu. Sans rire, je pense que c'était entre 3 et 4 euros chez Action. Des fois, tu fouilles, tu trouves des petites merveilles. Donc, je vais essayer. Quelle heure est-il? 11h08. On est bon! Voilà à quoi ça ressemble après avoir fait tourner la vidéo. Eric est rentré, hein, vous l'entendez? Il est quoi, il me dit? Pour quand même, je l'adore. Je l'adore, ce vase. Voilà. Un gars heureux. Tu bosses pas cet après-midi? Bon, bah, c'est cool. A chaque fois, tu me le mets là, ton masque que tu as utilisé, mais mets-le dans la machine. Attends, je vais en avoir besoin cet après-midi, si on sort. Ah ouais. Ça, c'est une assiette comme je les aime. Qu'est-ce que tu fais, au fait, avec ton... C'est le truc pour les manches, parce qu'il fout là. Tomate, cerise, mozzarella, galette, mental, je crois, il y a l'œuf. Il y a ça aussi, là, il va falloir manger. L'étain de la cour. Avec l'automne, ça fout des feuilles partout. On passe un petit coup de balai à chaque fois, mais bon. Le palmier, pareil, il n'arrête pas de tomber. Dès qu'il y a un peu de vent, parce que normalement, il est tout là-bas. Et en attendant, tout l'hiver, il va être là. Hein. On le remettra. C'est un faux, hein, en fait. On l'a vu chez Jiffy. Mais c'est triste. C'est triste, là. Petite courette. Hein, je préfère fermer. Début d'après-midi, bah, pas le choix. Hein. Ça va être rangement. J'en ai foutu partout. Et ménage. Je vais commencer par laver le plaid, là. Avec d'autres trucs. Ce sera un bon début. Je suis pas certaine qu'il passe à la machine. Est-ce qu'il y a encore l'étiquette dessus? Pas d'étiquette. Je tente, je lave. Je vais me cliner un peu aussi mon bureau et après je ferai la coiffeuse. Ça se salit tellement vite là. Bon, le miroir de ma coiffeuse. Ils vont enfin me réparer le dressing coulissant là où je mets tous mes produits. Ah bah, c'est pas gagné en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, t'as pas tout pété? Est-ce que tu peux me faire péter? Ouais. Il a réussi, bah, je préfère, hein, parce que ça restait ouvert en permanence, on voyait tout le bordel. Et je suis vraiment en train de me demander si je vais pas laisser le canapé comme ça, sans mettre le plaid. Parce que finalement, le plaid, il est écru, donc ça contraste avec le blanc derrière, vous voyez ce que je veux dire. Et, attendez, je voulais vous montrer ça. Je me suis dit que ça rendait bien en mon étagère, de mettre mes petites créations comme ça. C'est tout mignon, hein. Rien n'est encore définitif, mais le problème c'est que je trouve qu'on la voit pas bien ici. Mais ça c'est pas gênant, hein, je peux l'enlever et je vais en mettre d'autres évidemment, mais ça rend super bien, j'adore. Et bah, je suis bien contente d'avoir mis ma petite protection plastique. Hein. Je pense qu'elle serait dans un sale état.
Je reprendrai après mon ménage, on va aller chez Jardiland, ça sera fait. Pour croquettes et quoi, bah litière surtout. Et accessoirement quand même prendre l'air. Pour les quitter, je peux pas acheter de déco. Il est où le petit chien? Petit retour de course, on va les croquettes. Hein. J'ai repris mes super légumes verts. De la pizza, en veux-tu? On se fait pizza ce soir, tu crois? Bon, ça y est, parfait. J'ai un rendez-vous à 4h moins le quart, téléphonique. Bon, j'ai terminé. Mon appel téléphonique, ça va, mon dodonette? Oui, je crois que je le dérange. Regardez quand il fait ça. Ah. Je dois mettre nettoyage. Je vais me tenter un truc pour essayer d'avoir là toutes les tâches. Vous les voyez, j'arrive pas à nettoyer classique. Donc, tant pis. On va mettre le bicarbonate, le vinaigre blanc et on va frotter. Putain, c'est risqué, mais tant pis. On y va tranquille. Ça pue le vinaigre. Ça a fonctionné. Cool. J'ai vraiment laissé ce que j'utilise au quotidien, donc tout ce qui est soins, lèvres, yeux, sérum, jour, nuit, les cotons, démaquillants, nettoyants visage. Et pareil pour la partie make-up, ce que j'utilise pas au quotidien, mais quasiment. Quant au reste, j'ai tout rangé. Est-ce qu'on peut dire rangé? J'ai tout stocké plutôt. Ici, et de temps en temps, je pioche dedans également. Ainsi que dedans. Ah, très important. Mais oui. Alors ça m'est hyper utile. Quand je me prépare tout en regardant des vidéos. Et je vous mets là, je suis à contre-jour, je sais. Bon, c'était le bordel. J'avais fait mon Reels là qui était bien et en fait tout était inversé. Au moment où je l'ai publié, résultat, j'ai dû tout recommencer. Au début, je m'étais dit bon, je le ferai demain parce qu'il fait nuit. Et bon, je l'ai quand même refait. Ça m'a pris quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure, un truc comme ça. En plus, Eric, il est en train de jouer en réseau, donc ça tombe très bien. C'est pas encore mis. Voilà, on va grignoter. Ah, bah ça y est. Elle est en ligne. J'ai mis plus de temps. Bah ouais, t'as suivi. En gros, j'ai mis trop de temps pour descendre, donc il se fait sa pizza et moi je le fais après. Si, c'est ça en fait. Trop de temps, t'as pas vu du tout ce que t'as dit. Tu m'as dit, je mange tout de suite. Oui, j'ai tourné. Je sais, j'ai tourné. Quand j'arrive, tu vois. Ah, je m'amène la place. Oui, c'est. Voilà, il y a eu un imprévu, il y a un imprévu. Et la tête. Tu es toujours là, toi? Très champignon cette pizza, elle a l'air hyper bonne. Au niveau de ce que je vais regarder, je suis tombée sur une émission sur Netflix, Mission Déco. Ça se passe en Angleterre en fait, c'est un petit peu des challenges et tout. Et ils sont en train de refaire toute la déco, design, stylisme de Maison Témoin. C'est hyper inspirant, j'aime beaucoup. Et regardez quelque chose. Il a carrément posé sa petite tête sur le coussin. Je craque. Ça va être plus sympa quand même. Des petits cap balls. Oh la vache. Oh non, j'ai craqué là. J'en ai beaucoup trop. Le plus difficile, c'est que nous, quand on est le nez dedans, et évidemment, on se rend pas compte si elle est bien ou pas bien la musique, parce qu'on l'a entendu 10 fois. J'ai regardé un live, comme vous avez vu, c'est le coin des youtubeurs qui fait régulièrement le lundi soir des lives, dans lequel il nous parle un peu des... Quand t'es youtubeur, ça aide vachement. Des nouvelles fonctionnalités, des choses à savoir dans la semaine. On lui pose des questions, il nous répond. Vous avez vu, j'ai posé ma petite question. C'est hyper pro et... Voilà, donc c'est vraiment nécessaire, il n'y a pas grand monde qui fait ça, et lui, il le fait très très bien. Vous l'aurez compris, je vais monter, faire mon dodo, bouquiner surtout, et finir, il doit me rester quelques pages, et j'ai envie de le terminer pour commencer un nouveau livre que j'ai acheté. Voilà, bon, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite, peut-être demain, je ne sais pas trop, pour un nouveau vlog. Merci, bisous, salut.